Pour me saluer tout le monde dans la classe politique là, et dans la société civile là, qui exprimait solidarité devant ça que fait à un leader politique pareil à business league. M'a dit nous ensemble, nous allons continuer le combat. Un combat, c'est un combat. Ah, moi, je suis sûr que... Depuis que là, dans la bataille politique, là, pour me continuer, ça me fait en privé, là, me construit l'école Cité Soleil, l'hôpital Sainte-Catherine Cité Soleil, l'hôpital Guadamet, l'hôpital Fond Liberté, Sainte-Santé, la Fossette Cité Lesco, Sainte-Santé Raboto, Sainte-Santé Catholique. Je te connais. C'est vivre qui est en danger et c'est bien qui est en danger. Là, nous regardons sous Zilea, il y a deux pays. Un côté, on a vivre bien en pile. Et l'autre côté, on a vivre très mal. Nous disons, nous sommes capables de vivre bien tout. Dès que vous faites ça, dès que vous décidez que vous voulez changer les choses, bon mafia, qui campent en face ou mafia qui gagne des politiques qui mangent quoi pays à vin riche millionnaire dormi pauvre rêve riche et puis à parler de oligarque yo pas parler de oligarque politique mafia qui gagne des secteurs privés qui mangent dans la corruption qui mangent dans la contrebande qui volent la douane nous te connaissons. Nous mettons bien nous en danger. Nous te connaissons, nous mettons bien nous en danger. Parce que tout le temps reproché dans le secteur privé, que vous pas rentré à ces fonds dans la politique pour changer les conditions du peuple. C'est parce que vous-même, vous perdez. Vous perdez parce que vous avez bien, vous avez des bagages qui investissent dans le pays. Mais vous n'avez qu'en face qui besoin dans l'État pour vivre riche. Je ne vais pas vous dire que je dans le pays. Dormi pauvre, levé riche. Mais nous-mêmes, tout bien nous dans le pays. Nous ne pouvons pas 6 millions de dollars là-bas. Nous ne pouvons pas business là-bas. Nous ne pouvons pas compte en banque là-bas. Nous ne pouvons pas rien là-bas. Tout bien nous ici. Ok. Si nous pas gagner la salle motose, nous pas prendre du monde. Mais pas faire chez nous. Tant qu'on nous toujours dit, nous pas peur, nous pas besoin peur. Nous tous qu'on est aujourd'hui, c'est pas manifestant qui attaque Universal Motors. C'est pas peur qui attaque Universal Motors. C'est un petit groupe bandit qui vient pour ça, qui bien armé, zam automatique. Cocktail Molotov, yo voyez en Denison, en 10 minutes, employé en danger, client en danger, business en du feu. Le service à gang aujourd'hui, puis on vient attaquer nous. Employé blessé, employé prend coup, yo cherché kidnappé, yo n'a plus ancien employé Nissan, même si t'as à côté de là. Depuis 86, tu es dans Nissan. Yo bail. Directeur crédit à coup parce qu'il a cherché à défendre. Il a blessé. Deux employés nous. Il a fait un échec, il a sorti là derrière nous. Puis il a échappé. Pendant que même il a bambiné en dedans. Je salue courage tout employé. Je dis nous merci. Courage, je dis nous. Je remercie nous. Je remercie nous en pile. Mais pas plaguer nous. Pendant notre travail, pendant notre travail, pour nous tirer ce délimat là, tirer cet employé qui a perdu le job en 2018, pour nous joindre le travail, le 32, dans 3 mois, nous venons sortir là et nous mettons 200 employés Universal Motors en chômage.
Et mais pas prendre fromage. M'a dit yo, m'pa konn combien jour Universal Motor t'a pas pour l'ouvrir. Même qu'on est pas bon employé, pas perdre un jour de travail. Peuple haïtien, m'a parlé avec nous, j'ai danger. Sorti 2011, vive 2021. Est-ce que nous vivons plus bien aujourd'hui? Est-ce que nous mangeons plus bien aujourd'hui? Est-ce que nous plus bon l'hôpital aujourd'hui? Est-ce que nous plus bon l'école aujourd'hui? Non, nous pas gagnons. Même dis-nous encore, nous pas peur, nous pas jamais peur. Nous pas peur, nous pas jamais peur. Nous pas peur, nous pas jamais peur. Tenez bien, papa ici. C'est servir à Boulos pour distraire nous. C'est diversion à faire. Boulos pas important, je dis. Mais quand c'est constitution important, faire bien élection important, distribuer même quand des malheurs là, deux fois, trois fois, quatre fois, important. C'est ça, la boue accompli. Mais besoin distraire nous. Boulos pas important, ni son pas important. Nous pas quitter ou changer de bar. Débat pas sous Boulos. Débat c'est sous faux élection. Il y a préparé pour qu'il y ait pouvoir pour l'autre 5 ans pour continuer à piller le pays. Débat c'est sous mafia politique. À quelques nègres dans le secteur privé qui sortent pour manger le pays, qui est le pays en otage. C'est ça débat. Peuple haïtien, je parle avec nous. Je parle avec nous, peuple haïtien. Regardez bien qui nous fait nous bien, qui nous fait nous mal. Gardez-vous bien le pays nous. Et moi-même, moi j'ai détermination de dire. Je dépense que je suis couché dans la cabane, tête fait mal, apprends valium, apprends calmant. Même quand là, pitiant. À tout employé. À tout militaire MTV. Militaire MTV, prenez-vous. Yo pas casser l'homme. Parce que Boulos à pouvoir, c'est deux projets différents. Boulos à pouvoir, c'est deux projets différents. Boulos à pouvoir, c'est deux projets différents. Projet à pouvoir, c'est contrebande. Gaspillage sous l'État. Corruption dans tout quoi l'État. Dormi pauvre, lever riche. Projet ça achita sous groupe gang. Magnifia, mafia dans le secteur privé. À politiciens sans vision, oligarque politique, nous aimons moi, oligarque politique, pour nous établir projet ça, pour nous établir projet ça, puis bien, nous préparer au référendum de constitution, pour nous garder pouvoir tout le temps, à toute divinité, pour nous capable de faire si passe coûte, si passe long, même Jean-Président de facto a dit-il. Quelle que soit l'élection faite, la PNL, il prend pouvoir pour 25 ans. C'est ça, je te dis, Taraz. L'heure est à danser pendant le peuple a mouru dans la cité soleil. Le projet pouvoir, c'est le projet 4 de Malongue là. 4 de Malongue là, caille. Pour une élection, piquer-coller, tout le monde sait d'eau. Projet pouvoir, pas qu'à tolérer, une force police autonome. C'est plutôt bandit préféré passer. Et le policier mourit dans mes bandits, il n'y a pas chercher char, passer à chercher corps policier qui mourit pour nous. Projet original Boulos là, projet MDV Haïtien, c'est d'abord créer un parti politique moderne. Côté femmes et garçons, jeunes, paysans, étudiants, haïtiens tout partout, qui avaient une côté vision. Courage, compétence pour nous bâtir l'autre pays. Travail, éducation, sécurité. C'est un projet qui pas chita sous un flot slogan. L'argent en poche. Manger dans la main. L'argent c'est dans la poche sur l'été. Qui va rejoindre le peuple là. Pas de secret dans le fait pour là. N'a pas de bon en sécurité. Pour touristes capables de porter dollars dans le pays. Pour ne pas continuer à voler
Tout la malaria prend la 75 gouttes pour la réacheter à 100 gouttes. La porte de sécurité pour factory au travail plus bien, pour ouvrier au travail plus bien, dans plus bonnes conditions. Parce que l'ouvrier aujourd'hui, leur touche 440 gouttes, leur entre la caille après-midi, c'est 118 gouttes dans le travail. Leur vient dépenser comme transport matin, comme transport après-midi, comme manger matin, comme manger après-midi, comme bonheur, comme taxi, pour voir les comptes. Projet MTV, c'est empêcher Bandi toute qualité. Mais nous avons gardé Bandi aujourd'hui à l'ancien radio. Nous pas d'habitude aux bons amis d'éducation dans nous. Nous pas d'habitude aux bons amis d'éducation dans nous. Nous pas d'habitude aux gens de travail, côté nous fiers de son affaire. Bandi, déposez ça pour nous. L'MTV vini, l'MTV rive au pouvoir. La bonne chance pour nous réinsérer. Parce que même réinsertion, c'est fort qu'on ait plus Bandi, pour plus ça. Réinsertion par nous, c'est pour formation professionnelle, pour précis, pour capable de nous vrais citoyens. Pour commencer à passer route pour un projet comme ça, il faut tourner contre toute dictature à pouvoir personnel. Ce n'est pas facile, mais nous prenons engagement pour accompagner le peuple. Pas facile, mais nous prenons engagement pour accompagner les peuples haïtiens. Ensemble avec tout notre leader conséquent, leader sérieux, ça ne peut pas déborder pendant la croisée. Nous comprenons de qui ça va parler. Nous parlons de bataille pour changer la vie. C'est travail dans dignité, nous voulons nous-mêmes. Et travail dans dignité, c'est remettre corruption et insécurité. Pas grand rien pour faire une campagne libre, m'a fait pour faire ici. M'a continué pour nous faire jeune l'école, la santé, l'agriculture, la formation professionnelle. L'année presque un jour, fait plus moi. L'année presque un jour, fait plus moi. Jour après c'est arrivé. Prends courage. Fais pas ici, prends courage. Qu'est-ce que fait? Toi, c'est pour le monde qui croit en bataille. Victoire, c'est pour le monde qui croit dans la bataille. Victoire, c'est pour le monde qui croit dans la bataille. Moi, je fais déjà. Moi, je fais dans la cité soleil. La photo, au cas soleil, on va mettre la liberté au cas. Moi, je compte comment on fait. Et je vais faire encore. Avant de finir, je vais saluer le monde cité au cas. Qui te ramassant par les deux. Qui mette en sécurité. On va faire un peu. Merci. Nous, les bons voisins. Nous avons un bon voisinage. Et ma vie autour, il y a un bon voisin. Il y a un bon voisinage. Il y a des passages salués, caille. Dans tout bout là. Il me dit, la peine qui est dans yeux, mais aussi l'espoir qui est déverti pour des boulots. Si c'est pas pour moi, pour pas avoir ici une jeune libération, nous faisons pas ces patates. Si c'est pas pour moi, pour pas avoir ici une jeune libération, nous faisons pas ces patates. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas étape, c'est travail qu'on peut créer. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas remettre étape, c'est travail qu'on peut créer. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas étape, c'est travail qu'on peut créer. Nous combat, rêver le combat. Nous combat, nous combat, nous combat, nous combat, nous l'autre calcul, vivant de Haïti, vive Haïti. C'est le citoyen Chaud-Saint-Psikazir qui est indigné, qui révolté pour louer un bel investissement comme ça dans un pays côté en pile monde dans le chômage. Les docteurs Boulos t'a ouvert en fait Delimat et Turjoa. Il t'a dit qu'il recevoir plus que 2000 demandes à travers WhatsApp, Instagram et Facebook. Donc, ça qui arrive aujourd'hui, à la fin de comprendre que son menace contre tout entrepreneur, contre tout le monde qui a volonté pour créer business dans le pays,
et tout le monde tout, que ce soit haïtien qui est à l'étranger ou bien des étrangers qui t'a des yeux sur Haïti ou t'a vienne explorer des opportunités d'affaires, il y a hésité jeudi à avant pour venir en Haïti. Donc ça qui arrive à nous déplorer, mais au-delà de simple fait que boulet en entreprise là, mais son message tout que vous voyez par docteur Boulos qui lui-même jeudi à c'est un opposant. Son opposant farouche à pouvoir ça, Hélène Gade PHTK qui symbolisait 10 ans d'échec, et Dr Boulos lui-même qui symbolisait, c'est aujourd'hui l'alternative, c'est deux projets différents, Jean que l'étape dit. Nous condamnons à toute force nous, toute tentative, que ce soit sacrivé là, mais toute notre tentative, tout, de persécution politique, d'intimidation contre tout le monde aujourd'hui qui a l'idée contraire par rapport à un pouvoir qui menait nous à l'effondrement, par rapport à un régime qui aujourd'hui qui voulait instituer la peur, qui voulait ériger la gabegie administrative, la corruption, l'improvisation et la persécution politique comme mode de gestion de l'État. Ça n'a pas qu'à faire nous faire bac. La bataille que nous engageons aujourd'hui là, c'est la bataille pour libérer le pays. C'est bataille pour nous couper le système ça qui chita sous corruption impunité et qui a généré plus inégalité dans le pays. Ma plante son appel à tout leader politique, force progressiste dans la société civile là pour me dire on nous continue bataille là à plomb même des choux que Jovenel sous pouvoir si à première phase là dans bataille là c'est un marathon que nous a couru. Nous conscients de ça, nous pas fait bac, au contraire n'a redoublé de vigilance, n'a redoublé d'efforts et ça a fait que renforcer détermination nous et conviction nous pour nous servir avec crise ça pour que nous capables sortir pays là dans carrefour malouk que lié. On dit que le pouvoir PHTK est représenté vous avez des chèques pour pays là. Si ça peut pour quelqu'un monde qui dit que monsieur Reginald Boulos c'est éminent grise dans le pouvoir PHTK ça va de longtemps que votre pays. Donc 10 ans d'échec, il va continuer là-dedans. Donc pouvoir PHTK a commencé à instituer en 2011. Et nous tous nous connaissons très bien qu'en 2010, Dr Boulos s'était fait campagne, bon côté Madame Maniga, tout comme tout en 2005, il était fait campagne, bon côté professeur Leslie François Maniga. Certes, il était supporté Jovenel Moïse, mais c'est environ 550 000 personnes qui ont voté pour Jovenel Moïse. Et ils ont même tout, ils ont déçu par rapport avec Jean-Jovenel Moïse, chéri PIA. C'est l'effondrement éthique au sommet de l'État. Là où on pouvoir, là où on régime qui fait alliance avec gang, là où on régime qui baigne jusqu'au cou dans la corruption, l'État commence à effondrer sur le plan éthique, moral, mais tout sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan politique, c'est l'échec total. Donc, je dis, il n'y a pas gagné aucune façon pour le monde qui a comparé MDV avec PHTK et pas gagné aucune forme de rapprochement ni entre MDV et pouvoir ça, ni entre Dr Boulos et Jovenel Moïse. Nous clairs sur ça, Jovenel Moïse symbolise l'échec et nous-mêmes, nous avons assumé responsabilité citoyenne nous pleinement et entièrement pour que nous offrions pays à une alternative. Bien, gardez ça, mais pas parce que vous gardez bien famille. Il nous est salé encore, si vous voulez. Mettez des tentatives qui font sur l'autoplaza. Des gens qui ont des gens qui ont tiré sur nous, qui ont pas le temps de rentrer. Et qui commentaire nous sur ça? Donc, nous quittons, reste travail ça pour que la police et la justice eux-mêmes jouent le rôle. Mais nous-mêmes, dans ce qui concerne nous, au niveau de MDV, nous, moral nous pas baissé. Nous serrer les rangs et m'a tout profité pour que moi mandé même MDVO PO en nous continuer bataille là avec plus courage yo combat ret yo combat n'a continuer goumen et merci tout à tout le monde dans société civile là et l'autre leader politique qui t'a exprimé sympathie et solidarité yo à MDV à docteur Pierre Reginald Boulos va passer qu'on y a à passer juste qu'il y a quelques mots et... Madame, pour ajouter.
Et bon, je ne vais pas parler trop, mais comme secrétaire général, je vais faire ça en tant qu'un jeune qui vit Delma, qui est conscient comment ça est difficile dans le pays pour nous construire, surtout un jeune entrepreneur, si vous voulez créer un business dans le pays, qui joue un goût ma propre tête pour, et à même l'État ça, qui t'a droit au série de bagages. Je dis, nous gardons un mouvement qui a fait vraiment, mais l'on garde Universal Motors avec Autoplaza qui pas collé, ou est mon sauté un paquet de notre entreprise, mais c'est business. Docteur Pierre Reginald Boulos se touché, ça veut dire qu'ils sont attaques ciblées. Mais nous ne pas obligés à prendre possible les gens qui veulent créer le travail dans le pays, à retirer les gens dans la misère chronique, les gens qui ont créé le pouvoir d'achat. Parce que je dis à plus fort, jeunes garçons, jeunes femmes qui ont quitté le pays, ils ont quitté pour vivre mieux, pour manger, pour boire. Ceci, ça vient expliquer que je dis à la jeunesse gagne un groupe de gens qui est en face, qui ne veulent pas aucun monde qui veut faire des positifs, qui veut créer richesse dans le pays, continuer à être dans le pays. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas vague. Nous ne pouvons pas éléguer, nous ne pouvons pas faiblir, nous c'est aux autres. Nous avons campé pour continuer à vous mettre parce que MTV Haïti sont l'autre calcul et nous allons proposer à la population pour rejoindre nous parce que vous n'avez pas voué roche de Mango Vert, c'est Mango Mio Kéry. Ça veut dire Jodia, docteur Pierre Reginald Boulos, pour nos cibles parce que le dangereux, parce que le vinant, l'autre proposition, on l'autre calcul, on l'autre alternative pour retirer le pays à nos alliés. Merci un peu là. Et je suis assistant coordonnateur national MDV Haïti. Donc face avec le discours président parti à Dr Boulos qui peut être qu'a un dynamisme politique ou bien entrepreneurial ou bien économique, nous mêmes dans MDV Haïti comme dirigeants nous voulons plus clair. Je dis on a vivre dans une situation de sécurité grave, on a vivre dans inconstitutionnalité parce que depuis 7 février dernier nous avons un président qui a fonctionné dans l'inconstitutionnalité. Donc, ils sont président ad hoc, qui n'est pas représentatif, qui n'est pas capable dans le nom encore. Il n'est tellement pas capable dans le nom, il n'est tellement pas d'autorité, je dis à un pays à gangsterisé. Donc, qui situation, qui est à l'élue? On vit dans un pays qui n'est pas couvert par sécurité, on vit dans un pays côté 4 millions de monde avec une insécurité alimentaire, on vit dans un pays côté tout petit peuple. Vision principale, c'est quitter le pays. Pourtant, il y a corona dans tout le monde. Donc, je dis, il faut qu'on clarifie. Il faut que la population soit consciente que les gens, les bandits qui mettent des armes dans les mains pour venir craser le business, ce n'est pas la meilleure voie à suivre. Il faut que les gens qui sont en situation côté de la calle, de ne pas prendre la rue pour manifester contre la dictature, pour manifester contre la sécurité, il faut qu'ils commencent à prendre la rue pour manifester. Parce que je dis, on n'en peut plus. On ne peut pas vivre dans le pays côté l'offre de Timoun. Alors Timoun a mouru, donc Timoun n'a pas même qu'à jouir de droits civils et politiques. Donc, droits civils, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que Timoun n'a pas accès à une éducation gratuite, Timoun n'a pas accès à la manger. Donc je dis à MDV Haïti clair, nous dans la bataille 28-29 mars qui venu là, nous sommes sous béton hein, pour nous vivre béton, j'en ai toujours fait et pour nous voir une réponse pour prendre place là qui a fait démagogie politique dans le pays.